En 2024, la chasse au trésor d'Oak Island reste un mystère captivant pour les historiens et passionnés, renforcé par des avancées technologiques et des découvertes notables. La célèbre série télévisée The Curse of Oak Island continue d'explorer cette légende dans sa 12e saison, avec des recherches intensifiées sur le « puits de l'argent ». Dernier développement, découverte d'un nouveau puits. Les explorateurs ont identifié un puits inconnu qui pourrait mener directement au légendaire Money Pit. Cette découverte a ravivé les espoirs de l'équipe, connue sous le nom de « Fellowship of the Dig », Fraternité du Creusement, qui espère être proche de l'accès original. Avancée technologique. Les chercheurs utilisent des équipements modernes, notamment des caméras sur les engins d'excavation et des caissons, pour cartographier précisément les tunnels souterrains complexes. Ces outils offrent des informations en temps réel, améliorant considérablement l'efficacité des fouilles. Objets historiques retrouvés. Des pièces datant du XVIIe siècle, dont une possiblement liée aux Templiers. Des bijoux, tels qu'une bague en argent espagnol des années 1730. Une broche plaquée or datant du XVIIIe siècle. Une croix en plomb trouvée à Smith's Cove, qui rappelle des artefacts associés aux Templiers en France. Lien avec les Templiers. Certains artefacts renforcent l'idée qu'Oak Island pourrait avoir servi de cache pour des reliques sacrées des Templiers, telles que le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Bien que les preuves définitives manquent encore, ces découvertes alimentent l'imaginaire collectif. Implication plus large. Ces recherches ont un impact bien au-delà de la chasse au trésor. Un projet de musée et de centre de recherche est envisagé pour préserver et partager les découvertes, assurant que l'héritage historique de l'île reste accessible aux générations futures. Bien que la nature exacte du trésor reste incertaine, les fouilles actuelles continuent de dévoiler des aspects fascinants de l'histoire de l'île. Vous pouvez suivre ces avancées via la série ou des rapports spécialisés pour rester informé des progrès. Dernière découverte et progrès. Un puits inconnu découvert. Une équipe d'explorateurs a mis au jour un puits jamais répertorié, possiblement connecté au légendaire Money Pit, le petit globe qui reste au cœur des recherches depuis le XVIIIe siècle. Cette structure mystérieuse pourrait être la clé pour comprendre l'ingénierie complexe et les secrets enfouis sur l'île. Artefacts intrigants retrouvés. Une croix en plomb découverte précédemment à Smith's Cove, la grotte de Smith présente des similitudes frappantes avec les symboles des Templiers trouvés en France. Des pièces de monnaie datant du XVIIe siècle et des bijoux du XVIIIe siècle, dont une bague espagnole et une broche ornée d'or, soulignent l'importance historique du site. Technologie moderne au service des fouilles. L'équipe utilise des équipements sophistiqués, tels que des caméras embarquées sur les outils d'excavation et des caissons renforcés. Ces technologies permettent de cartographier avec précision les tunnels et systèmes de drainage complexes sous l'île. Des analyses géophysiques révèlent également des anomalies structurelles qui pourraient abriter des trésors cachés. Théorie autour du trésor. Lien avec les Templiers. Des chercheurs pensent que l'île aurait pu servir de cache pour des reliques sacrées des Templiers, notamment le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Les artefacts médiévaux retrouvés renforcent cette hypothèse, bien qu'aucune preuve directe n'ait encore été apportée. Hypothèse pirate ou royale. D'autres théories suggèrent que le trésor pourrait être lié à des pirates comme le capitaine Kidou à des richesses royales cachées pendant les conflits coloniaux. Un avenir prometteur pour Oak Island. Les fouilles actuelles ne visent pas uniquement à trouver un trésor physique. Des plans pour un musée et un centre de recherche sur l'île sont en cours d'élaboration. Ces projets permettront de préserver les découvertes et de partager les enseignements historiques avec les générations futures. Malgré des siècles de recherche, le mystère d'Oak Island reste entier. Chaque nouvelle découverte rapproche un peu plus l'équipe de résoudre l'énigme tout en continuant de captiver un public mondial. La quête continue entre histoire, légende et exploration scientifique. Je vous tiendrai au courant de l'avancée dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour suivre. L'Arche d'Alliance. Actuellement, elle serait conservée dans la chapelle de l'Arche d'Alliance, située dans un enclos séparé de l'église Sainte-Marie de Sion, sous la protection d'un gardien nommé à vie par son prédécesseur, qui est le seul autorisé à la voir et qui ne sort jamais de l'enceinte.